Alors ce matin, enfin plutôt hier soir, on vous a dit qu'on irait aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est fermé, mais on va y aller quand même. Et on va y aller comme ça, en avion. C'est parti. Attention, notre pilote, il est en train de faire les vérifications là. Ça rigole plus. Hein. Chérie, chérie, c'est qui monte devant? Allez, c'est parti! Chérie, chérie, c'est l'heure de Mickey! Oui! Tu veux faire quel manège en premier? Décollage! D'accord! Alors on est en train de patienter, on va mettre de l'essence. Je pense que c'est mieux avant de partir. Oui, ça peut servir. Ça peut servir. Donc normalement, on en a pour une heure et demie, à peu près 80-90 minutes aller-retour. Ouais. Et on va vous faire un... Bon, on va essayer, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais réussir à filmer ou quoi, mais on va essayer de faire un petit tour autour de Disney, prendre quelques photos, etc. On aura notre dose en attendant que le parc réouvre. Bon, et on a de la chance parce que franchement, il fait beau. Oui. On sent bien même le soleil. Il n'y a pas beaucoup de vent. Non, ça va être génial. Ça y est, on va mettre de l'essence. Ouais. Juste un petit truc pour vous expliquer. C'est le papa de Stéphanie qui est en fait notre pilote. Oui. Donc moi, je m'interroge quand même d'un truc. Parce que ton père, il sait faire de l'électricité, il sait faire des chaudières. Apparemment, il pilote un avion. Ta mère, elle sait aussi tout faire. Est-ce que tes parents ne seraient pas des agents du gouvernement? Exactement. Des agents spéciaux. Ça y est. J'espère qu'il va faire le plein. Et juste pour que vous vous rendiez compte, les parents de Stéphanie ont tous les deux de l'ADN de Mickey comme leur fille. En fait, en gros, ça fait un peu comme un jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Easy. C'est parti? Oui. T'as des pédales là-bas au fond. Ouais. Tu n'y touches pas. De toute façon, mes pieds sont trop courts. Non, c'est bon. C'est trop génial. C'est trop impressionnant de le voir du dessus. Ça paraît tout petit, petit, petit. Ça paraît tout petit, mais ça paraît étendu tellement grand qu'en fait, quand on est sur place,
On n'a pas l'impression que c'est aussi grand. Non, en fait, c'est particulier. On a vraiment l'impression de survoler une maquette, quoi. C'est... Carrément. C'est trop génial. Bon, et sinon, j'ai filmé comme j'ai pu, parce que bon, ça bouge un petit peu, hein, quand même. Et en fait, dès que j'étais comme ça avec le téléphone, j'avais envie de vomir. Voilà. Donc, eh ben, je verrai bien en faisant le montage ce que ça donne, mais on a fait ce qu'on a fait. Ah, oh, c'était génial. Donc, les zones en bleu, c'est des zones où faut rentrer dedans avec des autorisations. D'accord. Et les zones en rouge, c'est des zones dangereuses. D'accord. Mais elles ont des hauteurs spécifiques. Donc, celle-ci, elle est dangereuse à partir du niveau de vol 65 jusqu'au niveau de vol 85. Là, on n'a pas le droit d'y aller, c'est une zone A. Donc là, on était en zone A, donc on n'a pas le droit d'aller au-dessus de 1500 pieds. Voilà, donc on a eu de la chance que Disney limite soit fermé. Sinon, voilà. Sinon, on ne peut pas y aller. Si il est ouvert, on n'a pas le droit d'y aller encore. Non, puisqu'on est trop bas. Ah, ah. Tu nous le fais en langage humain pour ceux qui vont pas comprendre. Mais en fait, c'est juste que normalement, quand il y a beaucoup de gens au même endroit, on n'a pas le droit de voler bas parce que c'est plus risqué. Donc là, comme c'est fermé, on a le droit de le survoler. Mm-hmm. Mais en temps normal, quand c'est ouvert et qu'il y a du monde, on n'a pas le droit de voler bas. Donc normalement, on n'a pas le droit de survoler Disney. Donc, voilà. Du coup, bah, comme là, c'est fermé exceptionnellement, genre on a le droit, mais c'est exceptionnel. Normalement, on n'aurait jamais pu avoir l'autorisation de survoler Disney, quoi. C'est clair. Donc, on est dégoûté que Disney soit fermé. Oui, mais du coup... on aurait eu un petit bonus en attendant. C'était trop bien. Bon, chérie, range l'avion là, il faut qu'on aille manger. Bon, j'avoue, là j'ai quand même le bon rôle parce que c'est pas moi qui range. Bon, voilà. Ça y est, on est rentrés. Bon, on a profité aussi bien sûr d'être avec ma maman pour aller se balader, tout ça, promener Lucas, on a fait du manège. Voilà, voilà. Et puis, bah, on s'est dit qu'on allait passer par la boutique souvenir, mais en fait, on a déjà plein de trucs. Donc, bon, voilà. On n'achète rien, on a déjà tout. Voilà. Par contre, chérie, oui. Il manque quelque chose là sur la journée. On était allé à Disney, mais on n'a pas vu le spectacle du soir. Ah. Alors. On a peut-être une solution. Mmh. Bon, c'est transféré de la boutique souvenir, de la salle à manger à la salle cinéma de notre salon. Donc, on a peut-être une solution pour le night show de Disney. Et du coup, vous allez vous demander pourquoi Lucas n'a pas participé donc, à cette petite balade. Certains vont vite le comprendre, c'est que c'est un petit avion. Déjà, on ne peut pas y aller à 15. Ouais. Et ensuite, avec le bruit, etc., c'est hyper compliqué. On ne peut pas faire des couches sur demande, etc., etc., dans l'avion. Non. Donc, il est resté avec sa mamie, il a profité tranquillement. Là, il fait dodo. Mmh. Et nous, on va se mater le night show de Disneyland Paris. Oui.